Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les officiers généraux, officiers, officiers mariniers, sous-officiers, quartiers-maîtres et matelots, soldats, aviateurs, gendarmes, monsieur le président de l'association aux marins, mesdames et messieurs, de la nuit du 9 au 10 mai 2019, nos forces spéciales ont été engagées au Burkina Faso pour libérer deux de nos compatriotes capturés 8 jours plus tôt au Bénin et neutraliser un groupe de terroristes islamistes. En ce jour particulier, où nous honorons la mémoire des marins de l'aviation navale et au-delà, celle de nos marins péris en mer, celle des marins morts pour la France. En ce lieu emblématique, face à l'océan qui nous unit, je veux rendre hommage à deux de nos héros qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Les premiers maîtres Cédric de Pierrepont et Alain Pertoncello. Comme l'a rappelé le président de la République à l'occasion de la cérémonie d'hommage national aux Invalides, pour les peuples libres, pour les grandes nations, les noms des héros ne s'effacent jamais. Vos noms sont désormais liés à jamais à ce monument dédié aux marins et à ce cénotaphe, face à cette mer d'Iroise et à l'île de Sein. Vos noms rejoignent ainsi à jamais le souvenir de ces héros qui en partirent en ce funeste mois de juin 1940 pour que vive une France libre. Ils rejoignent aussi ceux des 177 héros qui débarquèrent un 6 juin 1944 sur une plage normande, et en particulier du lieutenant de vaisseau Hubert qui donna son nom à l'unité au sein de laquelle vous serviez. Afin de rendre cet hommage, je souhaite simplement relire l'ordre du jour que le chef d'état-major de la marine, l'amiral Christophe Prazuc, a adressé aux marins de la marine nationale le 14 mai 2019. Ordre du jour du chef d'état-major de la marine. Nos couleurs sont en berne aujourd'hui pour honorer la mémoire des maîtres Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, morts sur les balles ennemies dans la nuit du 9 au 10 mai 2019 au Burkina Faso en libérant des otages. Le courage admirable de Cédric de Pierrepont et d'Alain Pertoncello illustre les valeurs des commandos marines mieux que tout discours. Ils forment un maillon indissociable d'un ensemble plus large qui comprend aussi les bâtiments de surface, les sous-marins, les aéronefs de la Marine nationale dont ils nourrissent l'excellence. Le risque physique pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême est inscrit dans notre ADN comme dans le statut général du militaire. Ce risque, nous l'accepterons encore demain, sans condition, pour protéger nos concitoyens sur toutes les mers du monde comme sur d'autres théâtres d'opérations éloignés. Nos pavillons s'inclinent aujourd'hui devant la bravoure et l'exceptionnel sens du devoir des maîtres Cédric de Pierrepont et Alain Pertoncello. Amiral Christophe Prazuc, chef d'état-major de la Marine, le 14 mai 2019. Reposez. Hop. Repos. Un héros ne meurt jamais pour rien. Quand nous célébrons la mémoire d'un parent, d'un ami, d'un frère d'armes disparu, nous savons qu'un héros n'est jamais vraiment mort. Dans les moments difficiles, c'est souvent l'exemple d'un héros qui nous aide à vivre, parfois même à survivre. Un héros nous encourage toujours à regarder vers le haut. Un héros nous invite à nous dépasser.
C'est dans l'action, dans l'épreuve, dans les difficultés qu'un homme devient un héros. Un héros est toujours un artisan de paix. Un héros témoigne de la fraternité entre les peuples. Un héros est toujours celui dont on se souvient et que l'on célèbre. Nous savons que l'héroïsme trouve toujours sa source dans les valeurs qui fondent notre vie démocratique. Liberté, égalité, fraternité. Ce sont ces valeurs fondamentales qui nous permettent de vivre en construisant chaque jour un mieux vivre plus fraternel. Adieu la fièvre, adieu la haine, la pensée mielleuse qui m'enchaîne. J'irai cueillir pour toi les fruits du silence. Je t'imagine de peau, habile et divine de l'amour. Pour que devienne peu à peu la joie sereine, si tu veux. J'ai cueilli pour toi les fruits.